Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est toujours en période de solde, ça va bientôt finir. Et donc je vais vous faire voir essentiellement les promotions qu'il y a eu à Micromania et les soldes qui sont toujours en cours. Et vite fait d'autres soldes que j'ai eu pas cher. Si vous n'avez pas vu une vidéo que j'avais fait il y a 6 mois auparavant sur les soldes de Micromania, je vous mets le lien en haut à droite là qui apparaît. Parce que là c'est pareil, cette offre elle revient de temps en temps. Et j'ai attendu 6 mois pour qu'il y ait re du stock, qu'il y ait des jeux intéressants. C'était l'offre de, comment expliquer ça, c'est 5 jeux pour 5 euros, mais c'est des jeux d'une valeur maximum de 5,99 €. Donc cette offre, j'en ai rebénéficié là, parce qu'elle y est en ce moment du 23 juillet au 5 août. Et j'ai trouvé encore pas mal de jeux intéressants, comme la vidéo que j'avais fait de janvier, pendant les soldes de janvier, où j'avais trouvé aussi, je sais plus combien de jeux, je crois que même que j'en avais racheté en fait, et que j'avais pas filmé, je les avais pas mis dans la vidéo, parce que j'ai 1 €, franchement, le jeu vidéo à Micromania, c'était PS3, 360 et Wii. Excusez-moi, mais bon, c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent se faire une collection de jeux pas chers. Parce que même dans les vidéos reniées à 1 €, moi je peux vous dire que les gens ils se battent pour des jeux à 1 €, les revendeurs ils se battent. Hein. Ça c'est certain. Et dans ma région c'est tellement pourri. Pff, enfin voilà. Et donc des jeux à moins de 5,99 €, il y en a énormément en fait à Micromania. Beaucoup disent ouais c'est du Call of Duty, c'est Battlefield. Non, c'est faux. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai récupéré. Donc maintenant on a 2 Micromania sur Agen, on en a un en centre-ville et un à la zone commerciale. Donc j'ai pris le Space Marine Warhammer, je l'avais déjà sur 360. Mais bon, je l'ai pris sur PS3 parce qu'il m'est revenu 1 €. Donc la légende de Beowulf qui est tirée du film, un très bon film d'ailleurs. C'est vraiment parce que je l'ai payé 1 €, hein, donc automatiquement moi je prends tout. Hein. Homefront, donc voilà. Le Dark Void. Ça complète la collection, comme on peut dire. Le Alpha Protocol de chez Sega. Donc, Monstre contre Alien. Ah, tiré du film aussi. Black Sight. Banjo-Kazooie, que j'avais déjà. Je l'ai eu une fois, je l'ai revendu, je l'ai eu une deuxième fois. Que j'ai gardé parce que le mien est beaucoup plus propre et là je l'ai racheté parce que je voulais faire voilà Alone in the Dark sur Wii. Le Mercure Meldon, j'ai trouvé sympa ça. C'est une bille de mercure qu'on fait bouger d'un environnement. Ça m'a fait penser à Marble Madness. Très bon, ça a l'air d'être sympa comme jeu. Donc oui, moi je l'ai acheté le 29. Hein. C'était le 29. Donc Warhammer, donc 4 heures, Beowulf, Homefront, Dark Void, Alpha Protocol, Monstre contre Alien, Black Sight, Banjo Kazooie, Alone in the Dark, Mercury. Voilà, 5 jeux PS3 360 Wii pour 5 €. Donc voilà, 40,90 € de réduction. Ça m'a fait 10 € en tout. 10 € au lieu de payer 50,90 €. Donc voilà, c'est jusqu'au 5 août. L'offre qu'ils font. Et en même temps, je suis bien sûr allé à l'autre. Parce que ça, c'était celui sur Agen. Enfin, centre-ville plutôt, comme on dit. Hop. Alors, attendez. Parce que là, je suis... J'ai en deux. Hop. Alors, comme l'autre, il est récent. Il a ouvert, je sais plus, il y a 2 mois. Donc, bien sûr, j'en ai acheté beaucoup plus. Alors, j'ai pris... Sur CV en zone commerciale, Micromania, j'ai pris le Killzone 2, édition limitée Steelbook. Alors là, bien sûr, je l'ai déjà, mais en version normale, parce que moi, j'ai le pack les 3 Killzone. Killzone 1, 2, 3, en version PS3, avec le boîte carton et tout. Et là, la version Steelbook, je la laisse pas passer. C'est pas grave, je le rends doux, mais au moins, c'est la version Steelbook. Donc, 5 €. Barra, Edge of Control, que j'avais déjà 3 fois. Mais en fait c'est parce qu'il faut quand on a 3 écrans avec 3 consoles, ben j'ai 3 PS3 aussi, et avec 3 écrans on peut jouer sur 3 écrans, mais il faut 3 jeux, 3 consoles, et il n'y a que Barra, Gran Turismo 5 et Gran Turismo 6, et c'est que ces 3 jeux à ma connaissance que je devais faire une vidéo dessus, j'ai toujours pas fait, j'ai toujours des problèmes
pour mes vidéos. Je vais essayer de me dépêcher. Donc Conan. Voilà, même si j'ai pas fait voir. Bon, le Barra, ils ont sorti remaster sur PS4. J'ai même pas acheté sur Conan, la jaquette est vraiment défoncée, elle est pas terrible. Mais bon. GTA Liberty City, enfin l'épisode From Liberty City, c'était les deux DLC qui étaient sortis sur GTA 4. Le Love of Danette et Ballad of Gettoni. Et ces deux DLC qu'ils ont sortis sur GTA 4. Ces deux DLC, ils les ont sortis après en galette comme ça. Et on n'a pas besoin d'avoir le GTA 4 pour y jouer. Bon, je l'ai de toute façon, GTA 4. Et vous voyez, mettre qui n'est pas requis pour jouer. C'était deux bons DLC. D'ailleurs, sur PS3, j'ai le San Andreas d'ailleurs aussi. Parce qu'il avait sorti aussi sur PS3, qui est vraiment en version remasterisée, le San Andreas sur PS3, comparé à la version qu'on a sur le store. Sur le store, en fait, c'est la version PS2 qu'ils ont balancée. Il faut avoir la version boîte. Attendez, je sors. Ah. Que je conseille à tout le monde, cette version-là, c'est la version vraiment en fait de San Andreas remasterisée en HD. Et vraiment un beau remasterisage. C'est pas du tout la même que sur le store. Alors, après, j'ai pris le Duke Nukem Forever que j'avais revendu parce que j'avais besoin de place. Et là maintenant, j'ai toujours besoin de place, mais maintenant je ne revends plus. Qui est pas mal, mais bon, il a été critiqué, mais bon, moi j'aime bien. Mercenaries 2, l'enfer des favelas. Voilà. Le Battlefield Bad Company, je l'avais pas. Voilà, Bad Company. Le Tom Clancy Rainbow Six Vegas 2, que lui par contre c'est une version UK. Il est en anglais. C'est pas grave. Après on passe sur la 360 avec Time Shift. Voilà. Quake 4. Voilà, on présente plus Quake. Le Crackdown. Elle veut pas coller cette étiquette. Elle fait que. Très connu. C'est un bon jeu ça, Crackdown. Exclusif. Un Ninja Blade. Donc, pareil. Version UK. Un peu dommage. Parce qu'ils avaient la version FR. Mais la jaquette était complètement dégueulasse. Elle était collée au plastique. Et j'ai essayé de la décoller. Il y a des petits points qui étaient restés. J'ai fait bon, c'est pas grave, je prends la version UK. C'est pas grave. On passe sur Wii avec un Beyblade. Beyblade. J'ai la musique dans la tête. Le Brother in Arms double time. Donc en fait, c'est le Roi de Toil 30 et le Hernald in Blood. C'est le coffret. Ah, putain, je vois à travers la caméra, c'est incroyable. Ah, voilà. Et 1 € pas cher. Au lieu de 5. Et le Hunting Challenge. Bon, j'ai pris ce jeu. Il n'y avait pas le fusil, mais bon. J'ai fait bon, voilà. 1 € le jeu. C'est pas. Ouais. Je l'ai acheté le 29. Voilà, donc Killzone 2. Bon, là il est marqué Projet Barra, mais c'est Barra Edge of Control. Je sais pas pourquoi c'était sous Projet Barra. Beyblade, Conan, Time Shift, GTA, Episode from Liberty City, Duke Nukem Forever, Mercenary, Battlefield Bad Company, Quake 4. Là il est marqué Brother in Arms 3, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est le double time. J'ai eu référence comme ils veulent. Ou peut-être la gonzesse, elle a choisi celui-là, mais bon, le prix il correspond. C'est 5 €, 4,99 €, donc je sais pas. Je sais pas comment ils ont fait, donc Crackdown, ils se démerdent, de toute façon c'est pas grave. Ninja Blade, Rainbow Six Vegas 2, Hunting Challenge. Remise au cas, 5 jeux PS3 360 Wii pour 5 €. 63,85 € de réduction, ça m'a fait que 15 €. Donc voilà, c'est en tout. Comme je l'ai fait voir, c'est super intéressant. Et j'ai payé 25 €, 25 jeux. Alors pour certains, bon, ok, c'est pas des super jeux, ça va être des daubes ou quoi que ce soit. Mais moi je m'en fous, moi ce que je vois c'est que j'ai payé 25 € pour 25 jeux. Que dans les vide-greniers chez moi, ça ce genre de. J'en aurais eu pour beaucoup plus cher que ça, vous voyez. Voilà. Hop, voilà. 25 € c'est 25 jeux. Et ils font aussi une promo jusqu'au 5 août, du 23 juillet au 5 août. C'est.
Attends, je me rappelle plus la promo, c'est sur PS4. Comme vous avez vu en image, c'est 3 jeux achetés d'une valeur max de 9,99€ pour 15€. Donc des jeux à 9,99€, il y en a énormément et ça vous fait économiser la moitié. Donc au lieu de payer 29,97€, vous payez juste 15€. Mais moi, c'est pas cette offre que j'ai bénéficié, c'était une offre qui avait juste avant, qui elle n'y est plus bien sûr. Et c'était 2 jeux achetés, le troisième gratuit, d'une valeur max de 9,99€. Donc j'ai pris le Mass Effect Andromeda, il est à 10,99€, hein. Le prix il n'était pas à jour, mais c'est 10,99€ qu'il est. J'ai pris le For Honor, donc qui est à 9,99€. Et j'ai pris celui-là, c'est The Witch and the... Attendez parce que je vois pas... Undead Knight Revival Edition. C'est en fait c'est un jeu qui était sorti sur PS3 qu'ils ont réédité sur PS4. Très bon RPG. Et qui était à 15€ et qui vaut beaucoup plus cher sur internet d'ailleurs. Et ça fait que là. Hop. Va se voir. Donc en fait, vous voyez, Mass Effect Andromeda, donc 10,99€, For Honor 9,99€, Witch and the Undead Knight 14,99€. Et remise au casse 2 égale 3. Donc ils m'ont offert For Honor a été gratuit. Et j'ai payé 25,98€ les 3 jeux. Voilà. Et 25,98€, c'est même pas le prix de celui-là. Celui-là, je sais plus, il vaut plus de 30€ sur internet. J'étais content de l'avoir trouvé sûr. C'est pour ça que j'ai pris l'offre. Parce que de toute façon, celui-là, je l'avais pas, celui-là, je l'avais pas, celui-là, je l'avais pas non plus. J'en ai dans les 180 jeux PS4. Je ne compte même plus, ça va trop vite. Donc encore un Micromania. Ils avaient fait ce jeu-là, le Warhammer Imperium Edition. Attends, c'est comment ils appellent ça? Ouais, le War Inquisitor Imperium, en édition Steelbook. Il y a le Steelbook, il y a le jeu. Donc le prix, je sais pas combien c'est d'origine, c'est là 89,99€. Mais ils ont fait une très grosse promo. Donc en fait, ça, c'est l'Imperium Edition, c'est avec DLC et tout. Ouais. C'est le Season Pass, vous voyez. Il y a vraiment, il est tout complet et tout. Et ce jeu, je l'ai payé 5€. 4,99€. Vous voyez. Remise 55€ divers jeux Big Ben. 55€, prix total 4,99€. En 4,99€ le jeu, au lieu de. Ben, il devait être ben, à 59,99€. Parce que des fois, ils actualisent pas les prix. Et donc en fait ça fait que ouais, c'est ça, c'est, je suis con en plus c'est marqué en haut là, 59,99€ il était plus à 89. Et bon, je l'ai payé 5€, 4,99€ donc, c'était donné, c'était le dernier en plus, c'était le seul qu'il y avait, et c'était le dernier, il était sous blister. Hein. J'ai acheté celui-là aussi, il faisait, bon, elle y est toujours la promotion il me semble, je sais plus, je crois qu'elle y est, ouais. Le Dragon Quest Builder que j'avais déjà eu une fois, que j'ai revendu, j'avais racheté une fois un vide-grenier pas cher que j'avais revendu. Bon voilà, j'ai des fois, à des moments je l'ai eu, voilà, et ça m'arrive des fois dans les jeux récents de les revendre. Et là en fait ils font une promotion, et bon là c'est un retrait commande parce que je l'avais commandé directement sur internet, et il est à 9,99€. Il y est toujours en ce moment, oui, puisqu'il y est toujours. Je l'ai vu tout à l'heure, en fait. Ça y est toujours. Donc, le Dragon Quest Builder est à 9,99€ parce qu'ils ont sorti le 2. Donc, ils ont fait une promo dessus. Ah, ça va plaire à certains. Alors là, ceux-là, il n'y en avait que ces deux. Et je peux vous dire que je les ai achetés. Le One Piece Unlimited World Deluxe Edition. Donc, la version Deluxe. Avec... je sais pas quoi, la version Deluxe en plus. 40 DLC inclus, version remasterisée. Bon voilà, je l'ai payé 9,99€ sur la Switch. Et j'ai pris le Knight of Azure 2. Donc pareil, 9,99€. C'est un RPG sympa ça. Voilà. Et je vous fais voir le ticket. Et ceux-là, il n'y en avait que deux. Il n'y avait que ces deux. Hein. Sur moi, sur Agen, déjà, il n'y avait pas l'autre d'ouvert. Il n'y avait que celui-là et il n'y en avait aucun autre. Et je les ai achetés, mais direct. Je me suis pointé le matin. Voilà. Un One Piece Red Deluxe Switch 9,99€. Night of Azure 2 9,99€. 19,98€. J'étais super content. Et celui-là, j'ai partagé à personne le deal. Parce que déjà il n'y en avait que deux et parce que j'avais pas envie que les spéculateurs revendeurs mettent la main dessus, donc dans les autres Micromania.
Même si ça a dû arriver. Mais en tout cas, j'ai pas vu le deal passer et j'avais pas envie. Moi, les enculés, ça va un moment. Le Secret of Mana sur PS4, qu'on ne présente plus, bien sûr, que tout le monde s'est rué dessus, car il était à 5 euros. Voilà, Secret of Mana, 25 euros, remise 20 euros sur des jeux, bon voilà, 4,99€. Donc tout le monde s'est rué dessus sur celui-là. Ça a été compliqué pour l'avoir, et j'ai quand même réussi à en avoir un. Ça a été vraiment compliqué, celui-là je l'ai fait venir de Bordeaux. Bien sûr, il y a les revendeurs qui s'amusent aussi de commander à différents magasins et après ils viennent de chercher beaucoup plus tard et ça fait que ça bloque les commandes. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Alors, qu'est-ce que donc j'ai pris celui-là, donc le Unravel, donc le 1 et le 2, très bon jeu que je conseille. 9,99€ et le Call of Cthulhu, donc tiré du roman, très bon jeu aussi, qui était à 9,99€. Donc ceux-là, ils y sont plus, les promos. Alors, ça, je vais vous faire voir. Voilà, un Unravel, t'as 29,99€, remise 20€ celui-là, donc voilà, remise 20€. Et le Call of Cthulhu est à 14,99€ et remise 5€. Ce qui fait 19,98€ les deux jeux. Donc comme je l'ai dit, 9,99€, 9,99€. Voilà, ça marche comme ça chez Micromania. Allez. Après, bon voilà. Celui-là, je l'ai quand même acheté. C'est le Hey Pikmin. Donc il y avait une remise de 10€ voilà, sur divers jeux. Et donc, Hey Pikmin et Luigi Mansion. Donc je l'ai payé 9,99€ au lieu de 19,99€. Ben, si je vous fais pas voir, hop là, voilà, 9,99€ le Hey Pikmin sur 3DS. Je me suis trompé, j'ai fait l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Après, hop, alors là, on va passer hors Micromania parce que j'ai énormément de trucs à vous faire voir, mais je vais me concentrer vite fait sur les soldes que j'ai vu passer. Alors, un Intermarché, le grand Intermarché de ma ville. Alors j'ai pas posté de deal non plus sur celui-là, j'avais pas envie que les revendeurs y allaient. Alors le Kirby Planet Robobot, donc soldé à 11,97€. Voilà. Le Metroid Samus Returns, soldé à 13,50€. Je peux vous dire, ceux-là, ces deux-là, ils sont partis à une vitesse folle, malgré que il n'y avait aucun deal qui a été posté. Animal Crossing Welcome Amiibo, soldé à 9,87€. Super Smash Bros 3DS, soldé à 13,50€. Donc ça se voit que la 3DS, elle est en train de mourir parce qu'il y a la Switch Lite, là, ou je ne sais plus comment ils appellent ça. Je ne me rappelle même plus. Mario Party Star Rush, 11,97€. La Switch Mini, quoi. Qu'il faut que j'achète d'ailleurs. Pokémon Y, 10,77€. Pokémon Mega Donjon Mystère, 11,97€. Super Mario 3D Land, à 13,47€. Donc il faut savoir que j'achète que des jeux que j'ai pas. Hein. Hop là. Alors, ouais. Intermarché, les 50 ans, ouais. Kirby Planet Robobo, 11,97€. Metroid Samus Prime, 13,50€. Animal Crossing, 9,87€. Ça c'est le Smash Bros, super, ouais, 13,50€. Mario Party, 11,97€. Pokémon Y, 10,77€. Pokémon Mega Donjon, 11,97€. Et Mario Land, 13,47€. Après, moi je tourne au Volvic Fraise, j'en bois énormément, donc voilà, ça m'a fait, je sais plus, ça fait 98€, je sais plus, un truc comme ça. 97, 2, 3, ouais, 97 et des brouettes. Voilà quoi. Hop là. Donc on va passer sur. Voilà, ça va être compliqué là. Alors, j'étais allé voir une borne d'arcade d'un mec. Un connard d'ailleurs. Un gros connard. Et le mec, je pouvais même pas toucher la borne d'arcade, il m'a pris de haut et tout.
C'était un brocanteur, de toute façon. Il a dit, ça m'étonne pas. Le mec était très agressif et tout. Je suis allé au Planet Cash, à Saint-Émilion. C'était dans le 33, là. Et le Planet Cash à Saint-Émilion, là, j'étais content parce qu'il faisait. Comment vous faire voir ça? Il faisait un produit acheté, un produit offert. Alors là, mon droit, laisse tomber. Alors j'ai sauté sur l'occasion, donc je vais vous faire voir. Donc j'ai acheté le Battle Fantasia, le Kung Fu Rider. Donc en fait, j'ai acheté Battle Fantasia, j'ai eu le Kung Fu Rider de gratuit. J'ai acheté le Dead Space 1 que j'avais pas. Resident Evil 6, donc bon choix, c'est pareil. J'ai acheté Resident Evil 6 et j'ai eu Dead Space gratuit. On va faire comme ça. Après, j'ai acheté. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, Simpson le jeu, donc 3 euros, ouais. Et j'ai pris le bas de construction véhicule gratuit. Parce que bon, c'est un jeu. Je sais plus qui c'est qui en avait parlé dernièrement. Et puis, bon, ça m'a fait délirer. Tiens, je me suis dit, faudrait que je l'achète. Je crois que c'était Wawa, Back in Toys TV, qui en avait parlé. Je sais plus. Donc, bon, 3 euros. Après, je suis parti sur les séries. Je suis un fan de séries, bien sûr. Donc, le Stargate, l'édition collector, donc à 5 euros. Et j'ai eu le deuxième, j'ai pris la saison 3, il n'y avait pas la 2. Donc, j'ai pris la 1 et la 3. Donc, 5 euros les deux. Un acheté, un gratuit. J'ai pris Shameless et Walking Dead. Donc, bah, si vous voulez, voilà, ça fait ça. C'est donc un acheté, un gratuit. Donc, Walking Dead saison 1, Shameless c'était la saison 2. D'ailleurs, que je conseille celle-là, c'est la version américaine. La version british, c'est pas terrible de Shameless. J'ai pas trop aimé. Que Walking Dead, il n'y avait pas la 2, donc il y avait la 3, la 4. Donc, j'ai pris ben, la 3, la 4. Un acheté, un gratuit encore. Voilà, c'est 3 euros. Et après, alors j'avais le coffret 1, celui de 1 à 12, et j'avais pas le 13-21, donc je l'ai trouvé, il n'est pas en très bon état, mais bon, c'est pas grave. Et Supernatural, la saison 1, puisque j'ai la saison 3 et j'aimerais bien en avoir d'autres. Donc pareil, là c'était celui-là, donc ça m'a fait 3 euros parce qu'en fait c'est celui qui est gratuit, c'était le moins cher des deux, donc automatiquement, comme celui-là il était à 1,99, il était moins cher. Donc c'est celui-là qui a été gratuit et celui-là que j'ai payé. Mais en tout, ça fait ça. Comme ça, je vous fais voir. Planète Cash, vous voyez. Donc, DVD normal. Voilà. Dont un article offert, vous voyez. Bon, je vous fais voir. J'ai payé 1 sur 2, vous voyez. Ça m'a fait 25,96 € tout ce que je vous ai fait voir. C'était pas excessif. Hein. 26 € pour... 26 € pour... 4 jeux PS3, 2 jeux PS2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 séries. Et 8 séries, c'est des coffrets, quoi. C'est vraiment des gros coffrets, quoi. C'est pas des boîtiers, des fois, ouais, un film, quoi. Là, c'est pas... Donc, les coffrets sont... Quand j'ai des offres comme ça, c'est toujours cool. Pour moi, ça me fait plaisir. Mais bon, c'était un acheté en offert, donc voilà. Alors, c'était... Ouais, j'ai encore un peu de temps, je pense, peut-être... Je vais essayer de me dépêcher, mais c'était Onoz. Onoz, donc en fait, j'ai trouvé Bruce Lee, La mémoire du dragon. Bon, c'est une version DVD, mais 1,99 €. Et le Déponia, complète journée, 1,99 €. Donc, complète journée, c'est les trois Déponia, le 1, 2, le 3. Il n'y a pas le quatrième qu'ils ont sorti, spécial pour les fans, pour modifier la fin du 3, en fait. Donc, vous voyez, voilà. Bon, ça après, maquette, c'est autre chose, c'était les mignons en fait, mais bon, 50... ah oui, Bruce Lee, il était à 50 centimes, d'ailleurs, il était à moins 50%. C'est vrai que le Bruce Lee, ouais, au lieu d'être à 1 euro, il était à 50 centimes, parce que je le vois là, directement sur le truc. Hop là. Et... Attendez, hop. Ah oui, il faudrait que je le fasse voir ça. Je suis réallé. Hop. Allez. Donc j'y suis à reallé à Noz aussi parce que là dernièrement j'ai fait un deal d'ailleurs dessus. Et ils font promo, donc j'ai acheté Kangoo Junior, coffret numéro 1. Enfin promo, ils font pas de promo, mais je veux dire, des fois il y a certains prix qui sont pas chers. Donc 99 centimes, le Kangoo Junior, c'est un dessin animé des années 2000, ça m'a toujours fait délirer. L'intégrale de la saison 1 de Gotham, t'as Kangoo Junior, attends, si vous voyez, c'était ça. C'est un... Ah, tout le monde connaît ça, même les millénials, vous connaissez très bien. Ça, c'était les trucs. Et voilà, Gotham, l'intégrale de la saison 1, que j'ai payé 4,99 €. Donc, Gotham, ça, c'est une série aussi que je vous conseille.
Et après, ils avaient énormément de mangas kazé qu'ils ont rentrés. Donc le Piano Forest, édition collector, Blu-ray, DVD, donc les deux, 5,99€. Pour certains, ça va être cher, mais c'est kazé. Et kazé, leurs mangas sont très chers. Donc ça, c'est Piano Forest. C'est vraiment un manga que je conseille, qui est magnifique, que j'avais vu à sa sortie. Voilà, donc c'est l'édition collector, c'est DVD, Blu-ray et le bouquin de 64 pages. One Piece Z, donc collector pareil, Blu-ray, DVD, manga exclusif, donc 5,99€, c'est le premier tirage limité. Donc je vais un peu vite parce que j'ai plus. C'est des croquis de Eiichiro Oda. Donc voilà, le manga. Après, j'ai pris Freedom, l'intégrale, 2,99€, DVD. Très bon manga. Tout ça, c'est du kazé, comme vous voyez, c'est kazé, 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 kazé. Le Tekken Blood Vengeance, 2,99€. Le Roi des Ronces, édition 2 DVD. Voilà, édition 2 DVD kazé. 2,99€. 3,99€, sûr. Il faisait 2,99€ le DVD normal et 3,99€ l'édition double DVD. Street Fighter 2, le film, 2,99€. Et ils avaient fait aussi la version Blu-ray. Enfin, ils avaient fait, ils y sont, puisque je les ai achetés la semaine dernière. La version Blu-ray avec le DVD Blu-ray était à 5,99€. J'avais la flemme de sortir 6€. Alors j'ai préféré sortir 3€ juste pour le DVD. C'était pas. Voilà. Je vais vous faire voir. Donc vous voyez, 89, 2,99, 2,99, 2,99, 3,99, 5,99, 5,99, 4,99. Voilà, pour certains ça va être cher, mais pour d'autres personnes, ben, ça sera des bons prix parce que Kazé de base, je sais plus, mais je crois que les DVD c'est 20€ et les Blu-ray c'est 25, je sais plus trop. Et encore hors édition collector, parce que les éditions collector, je peux vous dire que le One Piece Z et le Piano Forest, à mon avis, ils doivent valoir beaucoup plus cher. Donc moi j'ai trouvé ça pas excessif, c'est pour ça que je les ai achetés de toute façon. Ils avaient aussi Apple Seed, mais il était cher, il était à 3,99 et comme moi j'avais eu acheté le Alpha à 99 centimes, comme une fois j'avais eu acheté le Apple Seed Alpha à 99 centimes, l'Apple Seed normal à 3,99, je trouvais ça excessif, donc je l'ai pas acheté. Donc voilà, vite fait, pour faire le tour, le dernier truc que j'ai eu acheté, c'était. Ah, comment vous faire voir ça? C'était une tablette, parce qu'il a fait très chaud dernièrement et j'en ai eu marre, je ne peux pas allumer mon PC. Donc c'est la Huawei MediaPad T5. Donc c'est la version que j'ai prise, c'est celle qui a 32 Go de ROM et 3 Go de RAM. Donc pour moi, c'était important d'avoir 3 Go de RAM. Parce que celles qui ont 1 giga de RAM, RAM vraiment, 2 gigas c'est limite, c'est pas trop mal. Et 3 gigas, enfin, pour moi c'est le mieux. Donc j'avais gardé ça à l'époque. Ouais, c'est, je sais pas, j'avais eu à acheter ça avec un t-shirt PS4. Donc c'est une housse et puis c'est marrant, vous voyez, ça prend la forme de la tablette. Et cette tablette Huawei, c'est un truc de fou. Attendez que je l'allume. Je suis toujours un peu perdu. C'est un 8 cœurs. Il y a 4 cœurs à 2,54 Go et 4 cœurs à 1,6 Go ou 1,8 Go, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Et elle est hyper fluide. Alors j'ai pas l'habitude d'Android, moi je tourne toujours avec. Avec iOS. Donc automatiquement. J'ai plus l'habitude d'Apple, mais attends, je me voilà. Et version Android 8.0, processeur Kirin 659, 3 Go de RAM, écran 1920 par 1200. Donc, comme c'est du 1200, c'est du 16 dixième et non du 16 neuvième. 16 neuvième, ça aurait fait 1920 par 1080, et un 16 dixième, c'est 1920 par 1200. Donc voilà, j'ai bien optimisé et tout et ouais, ça marche du feu du dieu ce truc. C'est vraiment très bonne configuration, je suis vraiment content. Pour regarder les séries sur Netflix, très pratique. C'est vraiment, c'est une belle tablette.
Je l'ai payé 179,99 €. Ouais, bon, je vais pas vous faire voir la facture d'achat, je vais juste vous faire voir le truc sur internet, parce qu'autrement, là, je suis obligé de sortir trop d'informations, enfin, j'ai la flemme. Et voilà, donc en fait, je vous conseille vraiment tablette Huawei, parce que c'est les meilleurs, rapport prix, et c'est, enfin, voilà, c'est 180 €, c'est vraiment pas cher. Pour vraiment, moi, ce que je veux en faire, en plus internet, tout, enfin, je peux faire tout en plus avec. 8 cores, 32 Go de ROM, 3 Go de RAM, écran 16 dixièmes 1920 par 1200. Enfin voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ben, je vous remercie d'avoir regardé. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de jeux. Donc, hop. J'ai encore beaucoup d'autres choses à présenter, mais je ferai ça sur une prochaine vidéo. Parce que c'est trop le bordel. J'ai vraiment. J'ai acheté énormément de choses. Vraiment. J'ai énormément de MVS aussi qui sont rentrés. Je crois que j'ai rentré à peu près une quarantaine de MVS. Je vais avoir rentré au moins 50 ou 60 Big Box PC. Après, je sais pas si ça intéresse ou pas. J'ai rentré aussi de l'AES un peu. Et j'ai rentré. Qu'est-ce que j'ai rentré d'autres, quelques d'autres conneries aussi. Ah oui, beaucoup d'imports aussi. Oui, j'ai acheté beaucoup des jeux PS1 et Dreamcast en import. Voilà. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.